pas encore testé aujourd'hui. C'est vraiment une découverte. C'est vraiment une vidéo découverte sur Skyrim. J'espère que vous m'entendez parce que la musique est forte. Le micro est là. Je pense que ça va aller. C'est impressionnant. Alors, je pense qu'on peut voir la différence si je suis assise ou pas. Mais pas impossible que je sois un peu basse en fait. Alors, on verra ce que ça donnera. Pour l'instant, c'est une découverte. On ne va pas faire le jeu complet. Je le ferai moi. On verra. Allez, on est parti. Alors, j'espère qu'on pourra régler le son parce que ça a l'air fort. Ta vie un peu. Allez. Je sais pas ce que ça va donner. Ça a l'air super impressionnant, rien que dans le menu. Rien que dans le menu. Alors j'imagine pas quand je vais avoir le dragon devant moi. Mais non, on est dans la cinématique là. Hein? Oui, on est dans la cinématique. C'est trop bizarre. En fait, on a la place de la caméra, on dirait. Je suis pas sûre que ce soit la place d'une personne. Oh, mais dingue! Oh, dingue! Oh, la dinguerie! Tiens, vous avez fini par vous réveiller? Ah si, si, vous avez essayé de traverser la frontière, pas vrai? Vous avez foncé tête baissée dans une embuscade des impériaux. Tout comme nous, et ce voleur-là. Ils sont là. Il est un peu vieux. Le ciel allait parfaitement bien à votre arrivée. L'Empire était calme, nonchalant. Comme c'est impressionnant. Si la Légion n'avait pas été à votre recherche, utilisez R pour regarder autour. Ah oui, d'accord. Vous là-bas. Je suis pas obligé de me tourner oui, dans tous les sens. Nous ah bah voilà. Là, je suis dans le meilleur sens. C'est sombrage que l'Empire veut. Nous sommes tous des frères et sœurs liés. Silence derrière. Qu'est-ce que t'as? Un peu de respect. Parlez en à une sombrage. Le vrai au roi. Skyrim, c'est pas la peine. Le flic. Tout le monde connaît. De Vendôme. C'est vous qui. Il a, je sais pas exactement, une bonne dizaine d'années. Oh mon dieu. Aucune importance. Sauvegarde et tout le chemin. Alors je suis à leur niveau parce que je suis assise, donc je suis vraiment à leur niveau. Eh, hey, de quel village venez-vous ? Ça descend, hein. Pourquoi ça vous intéresse ? C'est Les dernières pensées d'un nordique les devraient chevaux, aller vers son foyer. Les chevaux, j'ai intérêt à avoir bon frein. Rory Court. Je suis de Rory. Impressionnant. Dépêchons-nous d'enfiler. C'est dingue. Je sais même plus où il a été par rapport à vous. Par rapport à moi. J'ai des bureaux de vin. Je sais même plus où t'es orienté dans la salle en fait. Regardez, Général Tullius, gouverneur militaire. On dirait que les Talmors sont avec lui. Saint Daniel. Pareil qu'ils ont quelque chose à voir dans tout ça. Denzel Tronchet. Bien, nous voilà donc à Elgen. J'ai courtisé ouais, une fille autrefois. Je me demande si Vilod met toujours des genièvres dans son hydromel. C'est amusant. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo. C'est un sentiment je le répète, c'est une vidéo découverte. C'est totalement nouveau pour moi. J'ai déjà peu joué de base à Skyrim en normal. C'est qui, papa? La vache. mais non, mais quoi, je vois déjà rien qu'une tour, j'imagine pas de dragon. Sortez-moi ces prisonniers des chariots, allez! Pourquoi nous arrêtons-nous? À votre avis, la fin de voyage. Allons-y, ne faisons pas attendre les dieux. Non, attendez, nous ne sommes pas des rebelles! Affrontez la mort avec courage, voleur. Vous devez leur dire
On n'était pas avec vous. C'est une erreur. Avancez en direction du billot quand vous entendez votre nom. Un seul à la fois. L'Empire adore ces satanistes. Ulfric Sombrage. Jarl de Vendôme. Sauvegarde. Ce fut un honneur, Jarl Ulfric. Je peux bouger ou pas? Je suis pas sûr que même dans le jeu, là, on peut pas pour l'instant. Ralof de Rivebois. Je suis vraiment derrière la charrette, hein. Lokir de Rorikbourg. Non, je ne suis pas un rebelle. Vous n'avez pas le droit. Mais Alte la perception... Vous n'arriverez pas à me tuer. Des archers. Oui, quelqu'un d'autre envie de s'enfuir? Non, 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 c'est bon, je vais se lever. Là, avancez. Qui êtes-vous? Vous avez bien mal choisi votre moment pour rentrer au pays. Qu'est-ce Capitaine, que fait-on? Il ne figure pas sur la liste. Peu m'importe qu'il ne soit pas sur la liste. Il rejoint le bâtiment comme les autres. À vos ordres, capitaine. Désolé. Au moins mourrez-vous ici, sur votre terre natale. Suivez le capitaine. Je suis sûr que ça va me rassurer. Ulfric Sombrage. Certains ici et Elgen vous prennent pour un héros. Mais un héros n'utilise pas un pouvoir la comme perception, celui de la loi pour assassiner à hauteur d'homme, en fait, est vraiment impressionnante. Vous avez commencé cette guerre, plongé bord de ciel dans le chaos. Désormais, l'Empire va vous abattre et rétablir la paix. Non, non. Qu'est-ce que c'était que ça? C'était rien. C'est rien. Je veux pas le voir, en fait. Oui, Général Tedius. Non, non. Accordez-leur leur dernier rite. Nous recommandons vos âmes à Éthérion. Un petit bon dîner. Que les huit divins vous bénissent, car vous êtes le ciel et la terre. Pour l'amour de Talos, taisez-vous et finissons-en. Y a pas moyen de bouger autrement que comme ça, par contre? On a coup. Allez, je n'ai pas toute la journée. Il y a une tête qui va voler. Mes ancêtres me sourient à Perdio. Pouvez-vous en dire autant? Aïe. Oh la vache. Chien d'Imperio! Justice! Mort au Sombrage! Aussi courageux dans la mort que pendant toute sa vie. Maintenant, le Nordique en haillons. Ah, non, non. Ça recommence. Vous avez entendu? Le Nordique, c'est lui. J'ai dit, pas moi. Au suivant! Non. Allez, au bio! Et dans le calme. Ah! Ah, pardon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Sentinelle, maman, que voyez-vous? Il est dans les nuages. Un dragon. Comment est-ce possible? Détache-moi. Je suis attachée. N'éloignez pas. Meurs, meurs. Utilisez tout ce que nous avons. Espèce de traître. Hors de mon chemin. On s'enfuit. Vous ne nous arrêterez pas cette fois. Très bien. J'espère que ce dragon vous enverra tous à Sauvegarde. En avant, avec moi. Je veux rentrer.
On dirait que nous sommes les seuls à en être sortis. Échappez-vous, un héros de la fin des temps. On ferait mieux de partir d'ici. Venez là. Laissez-moi voir si je peux défaire ces liens. Oui. Nous y voilà. Regardez autour de vous. L'équipement ne manque pas ici. Je vais essayer de trouver quelque chose pour ces brûlures. Nous n'avons pas d'autre choix que de continuer. Vous feriez mieux de vous équiper. Bien, bien, chef. Bien. Coffre du gardien. Terminé. Trouvez de quoi vous équiper. Armure impériale légère. Ok, armure 25. Oh, c'est, ce qui est bien, c'est que je vois bien. Du coup, ce qui est marqué. Épée de fer. Coffre du gardien. Épée de fer. Ouais, vraiment du matériel de base. Tout prend. Vous feriez mieux de mettre cette armure. Faites aussi quelques ruines avec cette épée. Ne restons pas là. Plongez. Cette chose est encore là. D'accord. C'est où? Venez par ici. On n'abandonne jamais. Qu'est-ce que vous faites? Il faut qu'on quitte Elgen et vite. Je suis assez satisfait. Nous allons en avoir besoin. Si je peux rajouter un peu de taille de plus. Venez donc. Une vieille réserve. Allez voir si vous trouvez des potions. Ça pourrait nous servir. Wow. Si je découpe le monsieur. Ah bah voilà, là c'est du vin. Une potion de soin. C'est bon, c'est fait. Par ici. La liberté vous sauve. La salle de temps. Vous avez entendu? Allez! Tombé à pic. Ces garçons semblent un peu contrariés par la façon dont je divertis leurs camarades. Vous ne savez pas ce qui se passe? Un dragon est en train d'attaquer Elgen. Un dragon? Allons, ne racontez pas n'importe quoi. Faudrait, maintenant que j'y pense. Sortir ses grottes, j'ai entendu des bruits étranges par là-bas. Venez avec nous. Il faut sortir d'ici. Vous ne m'avez pas entendu? J'ai dit que le fort était attaqué. Oubliez le vieil homme. C'est lui, Arthur. On dirait qu'il y a quelque chose dans cette cage. Ne vous embêtez pas avec ça. On a perdu les clés il y a des siècles. Le pauvre bougre a braillé pendant des semaines. Essayez de l'ouvrir avec des crochets. On a besoin de tout ce qu'on peut trouver. Bien sûr, prenez tout ce que j'ai. Je vous en prie. Prenez ce que vous pouvez et allons-y. Je sais pas si j'ai un crochet. Déverrouillé. Porte de la cage. Ah oui, c'est... Oh, c'est bizarre. Crochetage. Pour faire tourner le verrou, lorsque vous faites tourner le verrou, plus le crochet se rapproche de la bonne position, et moins il oppose de résistance à la rotation du verrou. Vous devez trouver le cran idéal avec le crochet pour pouvoir faire tourner complètement le verrou et l'ouvrir. Alors, elle, on fait pivoter le crochet, qui est ici, et R, on fait pivoter la serrure. On peut pas prendre non plus. Ah, j'ai vu marqué prendre. Qu'est-ce qu'il a dans les... Ah, de l'or. Une potion. Potion.
Ah, ça se revend, ça. Et ça aussi. Après, faut pas trop se charger. Poids 40 sur 300. Bon, j'ai un peu de marge. Je me disais bien qu'on pouvait prendre ce qu'il y avait à terre là. C'est pas facile à viser par contre. Voilà. On ramasse les petites pièces, hein. Il y a un dragon, mais c'est pas grave. Il n'y a pas d'histoire, en lieu de respect. Bah vous m'attendez dans ce cas. Hmm? Par ici. Oui, oui, oui. Laisse-moi regarder un peu. Oh. En avant, vite. Quoi? Ah bah joie. Allez. Allez. Vu qu'on y est, on y va. Sommes-nous censés aller? Où est la sortie? Ces impériaux y gardent des potions. Nous allons. Hey. Où? C'est quoi? Vous êtes battu. Voyons où cela mène. Le pointeur, par contre, quand c'est lumineux. Il est où lui? Il part de loin là. Bah viens. Je te suis ou c'est toi qui me suis là? Ah, c'est bien ce qui me semblait, on passe par là. Alors c'est à toi de te dépêcher. Hey. Ah, ah non. Ah non, non. Ah mais non. Ah mais non. Ah non. Ah non. Ah non. Oh mon dieu. C'est bien que le dragon. Et puis quoi encore? Des serpents géants? Désolée. Mon dieu, ah c'est dégueulasse. Oh, viens. Sortons de là vite. Ah, c'est dégueulasse. Oh, tu veux pas monter? Ah, c'est là. Ah non, je fouille pas là-dedans, moi. Ah non, 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 je fouille pas. Oh, mais non, je l'ai sorti, c'est dégueulasse. C'est de là où on vient. C'est là où il faut aller. Ah, c'est de là où on vient. Il passait où? Ah, punaise. Je veux sortir de là. C'est pire que dragon, c'est dégueulasse. Ah. Pour monter là, mais il peut peut-être pas, mais tu passes par où alors? Ah là, en avant, vite, en avant, allez, go.
Un instant. Je préfère l'éviter pour le moment. Éviter quoi ? Nous pourrions peut-être passer discrètement. Allez-y tout doucement. Et attention où vous mettez les pieds. Si vous vous sentez en veine, vous pouvez aussi prendre cet arc. Ça pourrait la surprendre. Mais passez devant. Je couvre vos arrières. On va essayer d'être discret. D'accord, ça a l'air d'être un ours qui dort. En douceur. Il allait nous courir après ours. Je crois que c'est la sortie. Je commençais à douter sérieusement de nos chances. Attendez! Je crois qu'il est parti pour de bon. Mais inutile de s'attarder ici pour vérifier. Ouais. La ville la plus proche est Rivebois. Mon oncle est le forgeron. Il vous aidera. Il vaudrait sans doute mieux nous séparer. Bonne chance. Je n'aurais pas réussi sans votre aide. Voici les pierres gardiennes, 3 des 13 anciennes pierres dressées qui parsèment le paysage de bord de ciel. Allez-y. Alors, se placer sous le signe du voleur apprendra les compétences de furtivité 20% plus rapidement. Vous ne pouvez bénéficier que d'un seul bienfait, le signe à la fois. Vous volez. Il n'est jamais trop tard pour prendre votre destinée en main, vous savez. La furtivité, c'est pas que du vol, hein. Bon, j'aurais pu prendre les guerriers parce que là, vu comme je suis, équipée, mais bon. Écoutez, en ce qui me concerne, vous avez déjà mérité l'amnistie. Mais tant que cela n'aura pas été confirmé par le général Tullius, ne vous approchez pas des soldats impériaux et évitez de vous faire remarquer. Il a l'air calme ici. Venez, mon oncle est là. Bon, je vais mettre une sauvegarde. Sauvegarde rapide. Voilà. Oncle Alvor, je vous salue. Et puis on va arrêter la vidéo du coup, le petit poulet. Voilà, on va arrêter le jeu. Franchement, pour une découverte, ben, c'en est une. Je connaissais le jeu de base, donc graphiquement, ben, il est vieux. Mais alors, point de vue immersion, c'est impressionnant. J'imagine pour un jeu qu'on verrait aujourd'hui, qui ferait du coup beaucoup plus réaliste. Mais comme ça doit être hallucinant. J'ai pas aimé les araignées. Elles m'ont plus fait peur que le dragon. Quoi qu'il est super impressionnant. Franchement, c'est... Mon Dieu, la VR, qu'est-ce que c'est génial. Bon allez, salut tout le monde. On se revoit pour une prochaine vidéo. Je pense qu'on continuera un petit peu pour voir. Et puis on se revoit sur Twitch aussi, tous les jours à 17h et samedi. Entre 21h et 22h pour samedi, ce samedi-là, donc on sera le combien de 11 pour The Medium. Allez, salut tout le monde! Ciao!